surtout à côté docteur Mathias, que nous avons connu depuis quelque temps, à qui nous avons fait appel pour nous aider à nous occuper des nouveaux-nés. C'est le chef d'un service de néonatologie à Lausanne. Et son équipe et lui ont accepté de venir pour voir avec nous le sort du nouveau-né. On a vu récemment ce qui s'est passé dans les journaux au sujet d'enfants qui sont morts à l'INSEE. Beaucoup vont mourir là-bas. Vont mourir là-bas parce que d'abord les nouveau-nés sont très fragiles, ils viennent souvent, pas une façon de nous culpabiliser, ils viennent souvent tardivement. Ils ont des nouveau-nés très fragiles. Ils sont nés dans de mauvaises conditions, ils ont été transportés dans de mauvaises conditions, ils viennent souvent tard. Bon, certains meurent, d'autres survivent. Il y a d'autres ici qui viennent parce qu'en fait ils ont des états très graves. C'est ce qu'ils appellent les soins intensifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être faire en sorte que ils en meurent moins. Pour cela, il faut aller, le nouveau-né, il vient de naître, il faut voir du côté de sa mère. Alors, nous, on commence par les maternités où sont nés ces enfants. Lorsque, donc, la maternité est ouverte, on était à côté, on traversait la ruelle, on allait donner des conseils où ils venaient, même tardivement. Prenez disposition. C'est rendu compte que c'est Yandine qui assure le rôle actuellement, cette maternité de Donka. Donc, on a été vers Yandine, la maternité de Yandine, avec la bonne volonté, la disponibilité de notre ami, l'équipe de Lausanne. On est en train de travailler pour installer des équipements corrects et surtout former le personnel de la population. On est en train de chercher des solutions palliatives en attendant, en urgence. Limiter les décès ou les maladies graves chez ces nouveaux-nés.